so long till fly. Drag king, c'est pas un mot ni cochon, ni cochonne, mais aussi c'est pas une question de genre dans son sens propre. On va pas se prendre pour les hommes, on va se prendre pour des drag kings. Parce que comme en drag queen, c'est les hommes qui se transforment théâtralement en femmes, en choisissant les caractéristiques et comportements souvent exagérés. Nous, on va appliquer ce même principe, mais aux hommes. Parce que ce n'est pas à réduire l'expérience de l'homme à un truc si stéréotypique et si simple. Non, les hommes sont aussi divers et profonds que nous, les femmes, mais peut-être un petit peu moins. Mais nous, autant de drag kings, c'est pour explorer l'expérience de le comportement et les attitudes physiques et gestuelles qui sont stéréotypées de dominance masculine. C'est quand même un mouvement qui est plutôt anglo-saxon, donc je ne suis pas sûre qu'ici en Europe, ou en tout cas en France, il soit vraiment très développé. Donc je pensais que ce serait vraiment une bonne idée de pouvoir mettre ça à l'honneur, et je suis d'autant plus ravie que beaucoup de filles ont joué le jeu. Et en plus, on voit un petit peu la surprise et l'émerveillement de certaines filles qui gouinent, certes, mais qui peut-être ne s'attendaient pas à devoir autant de drag king. Donc du coup, c'est d'autant plus agréable. Les gens que je connais et que j'ai vus après leur transformation, je ne les ai pas reconnus. Pour preuve, il y a une fille que j'ai vue depuis, ça fait plusieurs heures que je lui parle, et en fait je me suis rendu compte que c'était Marion, une collègue à moi, et je ne l'avais pas reconnue. C'est aussi un apprentissage de soi, c'est justement tu comprends comment ton corps il fonctionne, comment tu bouges, comment ta place dans l'espace, elle définit aussi ta place dans un collectif, dans la société, tu vois. Et évidemment c'est à la fois politique, ça reste fun, bien sûr c'est sur scène, c'est un espace clos, mais c'est des choses que finalement j'applique aussi dans la vraie vie en fait. En faisant du drag king, ça m'a amené à accepter ma féminité au quotidien dans la vraie vie. Me rendre compte que c'est des choses qui sont tellement poreuses, c'est des codes, on peut en jouer. Donc ouais, enfin, si moi j'ai envie d'être un mec le lundi, je me sentirai comme un mec. Et si j'ai envie d'être une fille le mardi, je me sentirai comme une fille, et voilà quoi. Ce soir je suis Gabrielle. Moi je suis un mec, j'aime les meufs en fait. Les meufs ça me plaît et ouais, je suis un peu un coureur de jupons, on peut dire ça comme ça, ouais. Là c'était un bon moment, paradoxalement un bon moment entre filles en fait quoi. C'était un moment entre filles où on se déguise en garçon et on imagine ce que ça aurait pu être quoi. Comment c'est différent et commencer avec un paquet entre les jambes, on se les fait très gros je crois. On se les fait beaucoup plus gros que la normale. Je pense qu'on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre. C'est la moyenne. La moyenne, elle est gourmande. Hein. Il est gourmand, je ne sais plus.